Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, l'élévation de mes mains soit ainsi.
66. Christ vivant, il règne à jamais, annonce-le à tous les peuples. Alléluia, alléluia. Christ Psaume 109. Oracle du Seigneur à mon maître, siège à ma droite. Tes ennemis, j'en ferai ton marchepied. De Sion, le Seigneur est en grâce, cette puissance. Sur les saintes montagnes, de mon sein dès l'aurore engendrée, le Seigneur j'ai sans le trône. Tu es prêt à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. À ta droite se tient le maître, brisant les rois au jour de sa colère.
cantique de l'Apocalypse, page 342. De Saint Grégoire le Grand au VIe siècle. Deux disciples faisaient route ensemble. Ils ne croyaient pas dans le Seigneur, mais ils parlaient de lui quand, soudain, ils le rencontrèrent sous un aspect qu'ils ne purent que reconnaître. Le Seigneur rendit sensible à leurs yeux de chair la contradiction qui frappait intérieurement les yeux de leur cœur. Les disciples étaient partagés, en effet, entre l'amour et le doute. Le Seigneur paraît auprès d'eux, mais ne se laisse pas reconnaître. Il parlait de lui, il vient à leur rencontre. Il doutait de lui, il leur cache ses véritables traits. Il leur parle et leur reproche l'endurcissement de leur cœur, puis leur dévoile dans l'Écriture les mystères qui le concernaient. Mais, comme il n'était qu'un étranger à leur cœur sans foi, il feignit alors de poursuivre sa route. Louons les disciples d'avoir su alors donner leur amitié à ce pèlerin, eux qui ne pouvaient encore en lui aimer Dieu. Les disciples apprêtent donc la table, ils lui donnent à manger, et ce Dieu qu'ils n'ont pas reconnu dans la méditation des saints livres, voici qu'ils le découvrent dans la fraction du pain. Ils ne furent pas éclairés en écoutant les commandements de Dieu, ils le furent en les accomplissant. Ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes aux yeux de Dieu, mais ceux qui la pratiquent qui sont justifiés. Voulez-vous comprendre les paroles que vous avez écoutées? Hâtez-vous de mettre en pratique ce que vous avez pu déjà en comprendre. Le Seigneur ne s'est pas laissé connaître en parlant, il s'est découvert en mangeant.
Gloire et louange à toi, Alléluia. Seigneur ressuscité, nous te bénissons pour les merveilles que tu accomplis dans les cœurs de ceux qui t'accueillent. Et nous te confions tous ceux qui cherchent la vérité avec droiture. Gloire et louange à toi, Alléluia. Nous te bénissons pour tous les artisans de paix qui œuvrent de par le monde. Et nous te prions de faire croître le nombre des hommes de bonne volonté. Gloire et louange à toi, Alléluia. Nous te louons pour ton Église, sans cesse appelée à accueillir en elle la joie de la résurrection. Nous te prions pour que tous les baptisés grandissent dans l'amour pour toi et pour les hommes. Nous tous ici rassemblés te louons pour chacune de nos vies. Accorde-nous de remarquer les merveilles et les joies que tu nous offres au cours de nos journées. Gloire et louange à toi, Alléluia. Ô tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous, les baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous, les baptisés en Christ, vous avez maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez reçu le Christ. Alléluia. Vous tous, si avez été baptisés en Christ, vous avez reçu le Christ. Alléluia. Il se souvient de